La violence, tu dis que tu l'as. Jambo, miawezon. Anisokoma, Nangadef, Mikwaba, Obolo. Bienvenue à ce nouveau live qui va consacrer notre 47e rencontre autour de grands ouvrages classiques de la Renaissance Kemit. Grand ouvrage sélectionné par le Sèche Kovi Regmiret, qui nous accompagne depuis notre première rencontre qui remonte à la fin du mois de février. Ces rencontres nous ont donné l'occasion et vont continuer à nous donner l'occasion de passer en revue les grandes questions qui concernent notre devenir à travers les ouvrages sélectionnés et proposés par le Sèche Kovi Regmiret, qui, en nous accompagnant, en nous apportant ses lumières à travers une série de 10 questions que nous lui posons, nous éclaire sur les grands enjeux de la Renaissance kémite. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'ouvrage de la sœur Fatoumata Kébé, qui nous a proposé l'ouvrage, le livre, le titre « La lune est un roman ». Dont le sous-titre est « Histoire, mythe et légende ». Cet ouvrage va donc être pour le professeur, pour le Sèche Kovi Regmiret, l'occasion de nous éclairer davantage, de continuer à nous apporter ses lumières, ce dont nous le saluons, nous le remercions. Nous ne lui dirons jamais assez notre gratitude. Et pour lancer les échanges, je vais tout de suite poser la première question qui est celle-ci. Qui est en réalité Fatoumata Kébé? Quelle formation intellectuelle et scientifique a-t-elle reçue? Mais surtout, comment l'idée de rédiger son ouvrage à succès lui est-elle venue, Sèche Kovi? Je voudrais, en préambule à cette séquence vidéo live, la 47e du genre, comme l'a rappelé opportunément le frère de combat Narmer Nzewo, remercier toutes les sœurs de combat kémite et tous les frères de combat kémite qui n'ont eu de cesse, depuis l'expérimentation de notre première rencontre, c'était en février, comme on l'a rappelé, de nous encourager, de nous prodiguer des conseils et
parfois même de nous faire des critiques. C'est le lieu de dire que l'objet principal des séquences vidéo live, c'est de renouer avec une tradition multimillénaire qui met le livre, ou si l'on veut, le papyrus, au centre de la destinée divine de l'homme. L'homme, l'être humain, quelle que soit son apparence phénotypique, est d'abord une divinité qui s'est incarnée. Elle a d'abord été conçue par Amon-Ré, cette divinité incarnée, avant d'être nommée. C'est ce qu'on appelle, après la phase de conception, la phase de dénonciation, c'est-à-dire le verbe créateur. Le noir ne dit pas le verbe, le noir dit la parole efficace, la parole créatrice, la parole. Et troisième phase, l'incarnation, c'est-à-dire l'acte par lequel l'être conçu, identifié parce que nommé, et ensuite incarné, prend pour centre de rayonnement de l'énergie trois entités. Le Ka, qui est la force vitale transcendante, qui élève l'être jusqu'à la fusion avec la lumière divine. Le Ba, qui est la force vitale qui convoie le souffle sans lequel l'énergie ne pourrait pas se propager dans l'atmosphère. On n'entend pas atmosphère. La sphère dans laquelle Atman, c'est-à-dire un mot indo-européen, hindou plus précisément, qui signifie le souffle, Atman. De même, quand on dit spirit, spiritus, ça veut dire le souffle. Quand on dit animos, anima, ça, c'est le souffle. Mais le noir ne considère pas le souffle comme l'essence de l'énergie. L'essence de l'énergie pour le noir, c'est la lumière divine. Donc, ça veut dire que il faut aussi, après le bas, il faut le akou, c'est-à-dire l'esprit de la lumière divine et impérissable, l'esprit de la lumière. Donc cela veut dire que, fondamentalement, l'homme est d'abord lumière. C'est pour cela que, lorsqu'on veut parler de l'hypostase ou des hypostases de Amon-Ré, on dit que Amon-Ré s'est manifesté. Hypostase, ça veut dire changement d'état. Changement d'état, c'est-à-dire du simple au plus complexe. Vous voyez, il faut avoir en vue un fœtus, l'évolution du fœtus, jusqu'à ce qu'on appelle l'expulsion du nourrisson. Donc c'est d'abord une semence qui va à la rencontre d'un œuf. Et tout ça va se former du simple au complet jusqu'à ce qu'il y ait un cerveau, qu'il y ait un cœur et qu'il y ait des organes vitaux. Donc ça veut dire que l'incubation de la vie en tant que manifestation de l'énergie se fait selon des lois. Donc, une de ces lois que les scientifiques utilisent, c'est la loi de l'entropie. L'entropie. Donc, ce que nous disons, c'est que l'Africain n'a pas seulement
étudier les lois de l'univers. L'Africain a étudié la possibilité même de l'existence de l'essence de l'univers. L'essence de l'univers. L'essence est de l'ordre de la conception. Conceptualisation. C'est pour ça qu'on parle de concept. Il n'y a pas de plus grande abstraction. Le concept, c'est la séparation entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Ce qui est accessoire est, disons, éloigné de l'essentiel. Et l'essentiel pour le noir africain, c'est la lumière divine de Ra. La lumière divine de Ra. Donc le problème essentiel, c'est comment faire pour que la lumière divine de Ra, c'est-à-dire le concentré de l'énergie, ne se dissolve pas dans l'atmosphère. C'est de cela que parle Lavoisier. Il dit, au commencement était l'énergie. Mais rien ne se perd. Tout se transforme. Le problème clé, c'est le problème de la transformation de l'énergie. La transformation de l'énergie. Pour l'Africain, c'est l'image du scarabée sacré. Et le scarabée va effectivement rouler l'énergie. Donc c'est ça qu'on appelle l'énergie mécanique. C'est-à-dire le mouvement. J'irai même plus loin, la rotation du disque solaire. Donc ce fait capital montre que les Africains n'ont pas conçu une mythologie ou une cosmogonie. Mais les Africains se sont élevés jusqu'à l'abstraction de la cosmologie. Je voudrais aussi, puisqu'on parle de la Lune, adresser en forme de dédicace mes sentiments amoureux à une créature lunaire originaire d'Angola. Et les experts dont le travail est de percer les énigmes ne manqueront pas d'identifier derrière cette créature de rêve qui incarne bien sûr la Lune. Mais la seule chose que je vais révéler, c'est qu'au moment où nous parlons, elle est de l'autre côté et elle nous écoute. Donc je suis assuré que, quelle que soit la fin de ce live, je serai honoré comme je le mérite. Ça, c'est une surprise et je vois l'étonnement, la perplexité de Narmer. Car Narmer avait posé une question bien précise. Donc je n'ai pas perdu le nom. J'ai simplement voulu accomplir mon devoir d'homme affairé et accroché à son rêve amoureux. Ça rassurera beaucoup de gens qui pensent que nous sommes des robots. Donc, nous disions que le plus important chez l'être humain, c'est d'abord l'énergie qui illumine son cœur. Car le premier acte qui fait qu'un homme cesse d'être un animal pour devenir un dieu qui s'est fait chair, c'est l'illumination de son corps. Donc, nous, de son cœur. Nous appelons ça « c'est tout ». C'est tout. Ça veut dire à la fois être irradié de lumière, être illuminé. C'est pour ça qu'on dit que les grands génies sont des illuminés.
parce qu'ils ont poussé plus loin que les communs des mortels l'acte par lequel on transgresse les limites de la norme. Il y a trois façons de désigner un génie. On dit qu'il est anormal. Quand on dit qu'il est anormal, ça veut dire que il s'oppose à la norme. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la norme. Quand on dit de quelqu'un qu'il est athée, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Dieu. Ça veut dire qu'il s'oppose à Dieu. Parce que le A est un A d'opposition. C'est un A privatif d'opposition. Mais la deuxième manifestation, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'avais fait cette dédicace. L'amour. C'est-à-dire, Merout. En pharaonique. Il y a c'est tout pour dire le rayonnement, l'illumination, la lumière. C'est-à-dire l'irradiation de la lumière. Mais il y a aussi Merout. Bon, en Médounetère, c'est une ou. Et cette ou laboure, comme tous les instruments aratoires, la terre arable et cultivable. Et il en sort des moissons. Donc l'amour, aimer, c'est moissonner. Car, quand nous disons Mary Itou, c'est le nom d'une très grande princesse de l'Égypte pharaonique. Nous sommes au Moyen-Empire. Bon, on pouvait dire que ça se définit par l'aimer. C'est-à-dire L apostrophe A-I-M E accent aigu E. L'aimer. Bon. Mais Mary Itou, ça veut dire en fait celle que tout le monde aime. C'est-à-dire celle qui n'a pas d'ennemis. Mais au Sénégal, les gens prononcent correctement. Les égyptologues ne prononcent pas correctement. Les gens prononcent marié tout. Voilà. Donc ça veut dire que quand on dit Marie, la Vierge Marie, c'est ce mot-là qu'on prend pour dire qu'il y a une femme qui est venue et a fait un enfant à un charpentier et que l'enfant était dans la crèche. Donc, le problème de fond que nous posons, c'est l'amour. C'est quoi l'amour, fondamentalement? L'amour, c'est la moisson de l'énergie. L'énergie doit circuler dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal et dans le monde astral. Voilà pourquoi, quand on voit la lune, et que la lune semble s'éloigner du soleil, c'est un mauvais présage. Mais quand on voit aussi la lune qui chevauche le soleil et qui ne laisse apparaître qu'une petite couronne au niveau du disque, ça s'appelle l'éclipse totale. Comme je l'ai dit, la grande éclipse totale que toute l'humanité attend. Non, je ne devais même pas dire ça. Que toute la nature attend, le cosmos attend, aura lieu le 2 août 2027. Va durer 6 minutes, 4 secondes, sur, au-dessus du temple de la reine Hatshepsut. Matkaré Hatshepsut. Et ce temple-là a été fait par Sanou Amouter, c'est-à-dire Senemout, pour le compte de la fille même de la reine, qui s'appelait la princesse Nefrouré. Donc, ces quelques minutes vont faire basculer le monde dans un nouveau cycle cosmique. Donc, vous voyez bien que le basculement du monde dans les cycles de renaissance, de renouvellement des naissances,
que nous appelons Urem Mesout en pharaonique. Urem Mesout. C'est de là que vient le mot renaissance, que les Européens vont prendre ensuite. Pour dire qu'il y a une période qui s'appelle renaissance, que les Italiens ont fait des merveilles, que ceci, cela. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il est impossible d'envisager cela sans que le monde ne soit et ne baigne dans la bienfaisance. C'est le troisième terme, c'est-à-dire Neferut. Neferut, ça veut dire quoi? La bienfaisance suprême, l'infinie bonté d'Amon Ré. Mais ça veut dire aussi la perfection. La perfection faite beauté. Donc je résume. Le Créateur, Amon Ré Imana Ra. Imana, c'est dans l'ordre, l'invisible, l'inaccessible, l'innommable, l'inconnaissable, l'intouchable, l'inimaginable. Donc, Imana ne désigne pas un objet qu'on peut se représenter. Parce que c'est la source de l'énergie. Elle ne nous est pas visible. Elle n'est même pas connaissable. Et c'est ce caractère qu'on appelle ce caractère énigmatique qui fait que l'homme doit d'abord être modeste. Car si la source même de la création n'est pas connaissable, ça veut dire que l'homme n'est pas parfait. L'homme est perfectible. Et le plus accompli des créatures perfectibles, nous l'appelons l'initié supérieur. Et son nom, c'est Basset. Bassar. Bassar. Pesse. Donc, c'est un pygmée. Je l'ai dit dans ma conférence. Je ne répéterai pas mille fois les mêmes choses. Il est trois peuples qui sont au sommet de la science. C'est-à-dire, quand on parle de la Lune, personne ne connaît mieux que ces gens-là. Il s'agit des Dogons dont j'avais parlé. Et depuis, les Béninois me demande de reprendre la conférence dans ma langue. J'ai dit, je n'ai pas de langue. D'abord, vous me connaissez tout. Je suis un Lyonnais. Je suis un banlieusard. Vous me connaissez tout. Moi, je n'ai pas de langue. Ma langue, c'est les médulétaires. Car c'est par les médulétaires que les Bamilékés peuvent se comprendre. Les Bamilékés. Eux, ils ne disent pas Medunete, ils disent Medumba. Nous pouvons les comprendre, nous les Yoruba, nous les Bambara, nous les Dogons dont j'ai parlé tout à l'heure, uniquement par les Medunete. C'est grâce aux Medunete que moi j'ai compris le Wolof. Lorsque Cheikh Anta Diop a wolofisé le pharaonique et pharaonisé le Wolof, créant une situation inédite sur le terrain de la science. Cheikh Anta Diop a créé une situation inédite sur le front de la lutte pour la vérité. Donc le colloque du Caire, c'était le colloque de la vérité. C'était aussi le colloque qui allait démasquer les menteurs pathologiques. En pleine lumière. Parce que même leur masque ne peut plus les protéger. Leur masque grimaçant. Donc, le problème que j'ai posé, c'est très simple. Pourquoi les Africains attachent-ils une telle importance à la Lune?
dans ma langue, pour dire la lune, on dit sou. Les Yoruba disent osu. Pour dire, tu as commis une transgression. Tu as fauté gravement contre le sacré. Nous disons dousou. Ça veut dire manger la lune. Les Dogons ne disent pas autre chose. Manger la lune. Anadousou. Viens la dousoumi. Ça veut dire cet enfant a mangé la lune de sa mère. Bien sûr qu'on ne mange pas la lune. Mais si tu manges la lune, il faut alors que tu fasses attention. Parce que tu dois éviter maintenant une chose. C'est piétiner la langue des initiés. Matafo de jinmyo de la langue. Piétiner à fond, le pied. Mamotafo de jinmyo, ça veut dire, tu ne dois pas piétiner la langue d'un initié. Donc, les Africains pensent que un être humain peut exprimer une pensée sans passer par une langue. Ou alors, c'est indifférent de penser quand on est africain dans n'importe quelle langue. Donc, on dit que la pensée africaine peut s'exprimer par le français, par l'anglais, indifféremment. Parce que l'Africain, il est indifférent à ce que j'appelle tout à l'heure l'acte par lequel on transgresse le sacré. La lune est liée au sacré. Fondamentalement dans l'Afrique noire. Fondamentalement dans l'Afrique noire. Donc, le soleil, c'est le compagnon de la lune. Dans le sens précis où le soleil accompagne la lune. Le soleil accompagne la lune. Quand quelqu'un dit « voici mon compagnon », hein? Si une femme dit « voici mon compagnon » et que je demande où est le compagnon, et la femme dit « il est en Chine », alors qu'elle est à Belleville, elle est mal accompagnée. Ça veut dire que moi, je vais l'accompagner. Parce que si tu n'accompagnes pas ta femme, tu ouvres un boulevard aux gens qui sont là, comme des compagnons, mais réels, pas virtuels. Donc, le soleil accompagne la lune comme un compagnon accompagne sa compagne. Mais le problème, c'est quelle est la nature de cette compagnie? La nature de cette compagnie, c'est que lorsqu'il y a éclipse totale, ça veut dire que la lune et le soleil partagent la même lumière. La même lumière, la lumière. Deuxièmement, la lune et le soleil fusionnent et ne font qu'un. Donc c'est ça qu'on appelle Merout, l'amour. Donc, la lune fait l'amour avec le soleil. J'ai dit l'amour, je n'ai pas dit sexe. Attention, parce que les nègres ont maintenant l'esprit mal placé. Enfin, c'est même pas placé du tout. Bon, ensuite, il y a la troisième phase. C'est-à-dire que quand il y a éclipse totale, il y a bienfaisance, bienfait. On appelle ça Neferut. Voilà pourquoi quand une fille s'appelle Nefertari, c'est une bienfaisance. Mais Nefertari, c'est la prononciation européenne. En fait, c'est Nafure Tahiri. Nafure Tahiri.
Ça veut dire la bienfaisance s'est accomplie, s'est manifestée à travers le miroir de l'être. Les égyptologues donnent des traductions qui sont, à mon avis, approximatives. Quand on dit Nefertiti, c'est Nafuretiti. C'est-à-dire que la bienfaisance accompagne le reflet de la vérité de l'être. Parce que la pensée vient du cœur. Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau est juste un ordinateur. The brain is a computer. Je pourrais le faire en anglais aussi. Mais Narmer allait me condamner. Donc, je dis que un être humain est dans la maths lorsque sa pensée réfléchit ou reflète au sens du miroir sa parole qui elle-même à son tour réfléchit son action. Lorsqu'il y a inadéquation entre l'action et la parole, c'est qu'on a affaire à Isfait. On n'a pas affaire à maths. Lorsqu'il y a inadéquation entre la parole et la pensée, on a affaire à Isfait. Donc c'est quoi la bienfaisance? La bienfaisance, c'est le reflet de la pensée en adéquation avec la parole, laquelle parole est à son tour en adéquation avec l'action. L'acte que tu poses, les actes. Donc, pour savoir qui est une créature isfétienne, il suffit de voir, de l'atteindre au niveau des actes. Voilà. C'est-à-dire, les paroles sont mielleuses, mais les actes sont fielleux. C'est pas la même chose, c'est le fiel. Moi, j'attendais le miel, non. Bon, donc, qui est Fatoua Takebe? Parce que j'ai introduit la problématique de la lune. Donc, moi, j'ai vu ça au niveau de la cosmologie. Mais, elle est astrophysicienne. Qu'est-ce que ça dit? Dans astrophysicienne, il y a astre et il y a physique. Je voudrais montrer en 2 minutes que l'association des deux procède d'une confusion que l'Européen fait. Entre le monde astral et ce qu'il appelle les corps physiques. En fait, tout ça ne sont que des manifestations d'une même énergie. Mais lui, il va séparer. Et après, il va faire comme s'il met les deux sciences, alors que c'est le même objet qui est l'énergie. Donc, Fatoua Takebe est une de nos jeunes de banlieue qui a découvert qu'elle est sur le papier française, mais dans les faits, j'ai dit tout à l'heure les faits, c'est important, elle est une citoyenne entièrement à part. Elle n'est pas une citoyenne à part entière. Si je voulais même dire la chose clairement, c'est une citoyenne de seconde zone dans les banlieues. Les banlieues sont les lieux bannis de la République. C'est-à-dire les lieux où on concentre tous les gens qui sont destinés à ce qu'on appelle l'échec. Le mot là, le mot échec, je n'ai pas dit échec et maths. J'ai dit échec. Échec scolaire. Échec social. Échec même familial. Donc, tous les handicaps
de la France sont cumulés dans ces lieux bannis de la République. Donc, dès que vous dites que vous habitez Sarcelles, si vous êtes juif, on vous ouvre les boulevards. Si vous êtes nègre, on ferme le périphérique. Enfin, le périph. Mais on avait déjà pris le périph. Bon, donc, le problème de fond, c'est que c'est la même République, la même citoyenneté, mais ce n'est pas la même application. Ce n'est pas la même façon de légiférer. Donc, il existe une loi non écrite dans la République. Je dis bien non écrite, qui sanctionne la négrophobie et l'institutionnalisme. La négrophobie institutionnalisée. Donc, tous les citoyens ont droit à un logement. Mais il est certain, citoyens, il faut 24 ans avant qu'on examine un dossier qui ne cesse de renouveler chaque année. Mais d'autres citoyens ont le logement en 2 mois dans la même République. Donc, les lois semblent égalitaires, mais l'application des lois introduit la discrimination. C'est ça que nous voulons dire. Donc, dans les banlieues, il faut avoir 3 qualités pour essayer de sortir du ghetto. Qui est assimilable en tout point métaphoriquement à un panier à crabe. La première qualité, c'est ne jamais renoncer à son rêve. Jamais. Jamais. Car la réalité ne devient elle-même vivable que lorsqu'elle traduit ou concrétise un rêve. Un homme qui n'a pas de rêve n'est pas un être qui peut vivre dans la réalité. Mais on oppose souvent le rêve à la réalité. Je dirais même que le rêve est la condition de l'accomplissement d'une réalité qui soit accomplie. C'est le rêve. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette banlieue? On tue le rêve chez nos enfants. On leur met le plafond de verre. Si tu travailles à la poste, tu es déjà au sommet de la pyramide sociale. Tu travailles à la poste. Sinon, hein, éboueur. Et Fatoumata Kébé a dit, jamais je ne renoncerai à mon rêve. Elle n'a pas dit, c'est moi qui dis qu'elle a dit. Elle a dit, c'est moi qui dis ça. Après avoir lu son livre. Deuxième chose, il ne faut jamais oublier que tout rêve ne devient réalité que lorsqu'on se donne les moyens de l'accomplir. Les moyens. Et ces moyens sont d'abord de l'ordre de l'effort. Hein? Alors, je dirais quelque chose que les jeunes aiment beaucoup en banlieue. C'est l'effort qui fait le fort. Ah, je dis, ben, magnifique. Ça, c'est du rap, ça. Du rap sorti du 93. Je vous ai dit que j'étais lyonnais, mais en fait, je suis lyonnais adopté dans le 93. Donc ça veut dire quoi? L'effort seul fait le fort. Tu ne peux pas jouer au fort quand on voit que tu ne t'es pas donné les moyens d'accomplir ton rêve. Les moyens. Alors, c'est ça qu'on prive les lois des moyens. Dans le banlieue là-bas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Dès le début du premier trimestre, on sait déjà qui va être orienté dans les filières de garage. On sait déjà.
c'est souvent les Noirs. Et puis quand il y a encore des places qui restent, on met les Arabes. Donc, nous avons été nous-mêmes confrontés à ça. Puisque systématiquement, la même discrimination s'applique à nous. Quel que soit ton niveau, on t'envoie en ZEP. Zone d'éducation prioritaire. Pour aller faire quoi là-bas? Ben, au lieu de donner ton cours de français, ton cours de philosophie, tu fais de la garderie. Et les jeunes disent que tu es un bounty. Parce que qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que nous on va faire avec Victor Hugo, dis donc? Baudelaire, mais ça va pas, non? Hein? Et c'est toi le nègre qui vient dire ça. Et ils te disent, mais on va te fatiguer du temps. Tu vas prendre toi-même des cachets. Mais tu imagines, dès qu'on dit cachet, les Blancs, eux, ils prennent maintenant ce qu'on appelle des congés maladie. 4 mois! Juste parce qu'un jeune a dit que tu vas prendre des cachets. Et nous, on sait que nous, on ne prend pas de congé. On est là parce que nos petits frères. Tu vas faire Baudelaire. Tu vas faire Baudelaire. Donc, le problème qui est posé, c'est que il faut aussi comprendre que tu ne dois pas renoncer à ta mission. Ta mission, c'est quoi? C'est sortir tes frères du ghetto. C'est sortir tes frères du ghetto. Tes frères sont dans les ghettos. Tu te complais, toi, dans les quartiers, les beaux quartiers de Bobo. Les Bobos, c'est qui? Ce sont les gens qui fuient les ghettos. Les Blancs qui fuient les ghettos. Parce que les Blancs qui étaient pauvres, ils entrent dans la classe moyenne parce que le système leur permet. Au nom de ce que Marine Le Pen leur a dit que la préférence nationale. Mais ce n'est pas la préférence nationale. C'est la préférence raciale. Donc c'est le nouveau mot ici pour dire white supremacy. La suprématie raciale. C'est-à-dire le blanc. Même quand c'est un cancre, il doit avoir d'abord la place. Et s'il y a la place après, toi on te casse. Donc nous avons, dans les banlieues, le devoir d'accomplir notre mission. Et cette mission sociale et locale, c'est de sortir le maximum de frères du ghetto et de sœurs du ghetto. Et bien c'est ça que Fatoumata Kébé a fait. Fatoumata Kébé est née à Montreuil. Montreuil que tu vois là. Et elle a grandi à Noisy-le-Sec, où elle a passé son baccalauréat scientifique en étant première. Première sur près de 4000 candidats. Première, je dis première. Bon, elle s'appelle pas Micheline Janson. Donc, elle s'appelle Fatoumata Kébé. Donc, les gens ont dit, mais comment il y a eu erreur de casting ou quoi? Comment elle est première? Et on lui dit, bon, il faut qu'elle vienne pour qu'on la voie. Et elle arrive. On dit, mais elle est trop noire. C'est une Française, hein? Et surtout, on dit, mais cette tresse-là, c'est de la provoque. Parce qu'il fallait aussi défriser un peu. Oui, parce que quand tu défrises, ça veut dire que tu as compris les codes. Ça dit tu es en voie d'être intégré. Moi, je dis en voie parce qu'on n'est jamais intégré. On est désintégré. Ici, en Leucodermie, nous connaissons. Nous n'avons jamais cru en l'intégration. À ce que nous concerne. Pour une raison simple. C'est que les institutions susceptibles d'intégrer n'existent pas. Et le mot intégrer même est un mot confus. La réalité, c'est ceci. Il faut une réinsertion professionnelle ou une insertion professionnelle, sociale et surtout économique, par l'accès à l'entrepreneuriat. C'est tout ce qu'on demande à la France. Mais la France parle d'intégration. Bon, la France parle aussi de diversité. Donc, il y a une association qui a dit que, bon, nous, on va vous prendre dans la lettre. Nous, on s'appelle divers
hein, D majuscule I-V-E-R-S tiré cité. C majuscule I-T-E accent aigu S. Donc venez nous donner dans les cités la diversité. Ils ont dit non, c'est un problème budgétaire. Donc Bernard Tapie avait tenté. On a dit il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est Mitterrand qui avait dit. Il n'y a pas assez d'argent. Et même quand il y a de l'argent, il ne faut pas le mettre, cet argent, dans des banlieues où il y a l'insécurité. Mais ce n'est pas l'insécurité qu'on veut dire. C'est qu'il y a trop de nègres et trop d'arabes qui créent, par leur présence même, l'insécurité. Mais ce trop plein de nègres et d'arabes, où est-ce qu'on va les mettre pour que la France soit en sécurité? Voilà pourquoi nous avons dit l'adage suivant. Quiconque sème la colonisation récolte l'immigration. Pourquoi vous demandez des papiers maintenant aux nègres? Et à l'époque, quand ils entraient dans les bateaux pour aller en Guadeloupe, bossaient pour vous pendant des siècles. Est-ce qu'ils avaient des papiers? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que nous, on avait des papiers? C'est ça ma question. Non. Non, monsieur. Ils étaient sans papiers dans les bateaux négriers. C'est ça ma question. C'est vrai. Donc, non, même si ce n'est pas vrai, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un Français dit qu'il est aujourd'hui à Mayotte, il est là au nom de quel, de quoi? En Nouvelle-Calédonie, au nom de quoi? Lorsqu'un blanc dit qu'il est aux États-Unis et il est américain, c'est au nom de quoi? Lorsque des blancs disent qu'ils sont néo-zélandais, australiens, c'est au nom de quoi? Eh bien, moi, je réponds, c'est au nom du grand remplacement. C'est-à-dire l'extermination des autochtones. Voilà la vérité. Donc, eux, ils étaient des migrants incapables de cohabiter en dehors de l'extermination des gens qui les accueillent. Okay, ils ne les accueillent même pas, ils ne les ont pas invités. Ils s'invitent eux-mêmes. Tiens. Donc, en vertu de ce que je viens de dire, hein, lorsque Renaud Camus, un homosexuel notoire, un psychopathe, dit que les nègres sont menaçants ici en France, les Arabes sont menaçants, et que la France craint le grand remplacement, est-ce que c'est moi qui ai dit à Renaud Camus de ne pas avoir d'enfants, qu'il préfère les mecs? C'est moi qui lui ai dit, tu préfères les mecs et les enfants blancs vont venir d'où? Des éprouvettes ou de la soucoupe volante. C'est pas sérieux. Donc, ce que nous disons, les nègres doivent faire des enfants ici. Parce que, moi j'ai deux arguments qui prouvent que aucun nègre n'est étranger en France. Le premier argument, le premier habitant de la France, c'est l'homme de Grimaldi. C'est un noir venu d'Afrique. Alors, les Français de souche là, moi je les cherche. Je les cherche dans la souche. Les Français de souche, là. Voilà. C'est-à-dire, moi, je dis que, quand je disais aux nègres que moi, je suis français, ils ont dit, non, tu dis que tu es kémite. Et tu dis qu'il faut aller faire la libération de l'Afrique. C'est pas ce que tu dis. Je dis, dans tout discours, il y a l'explicite. C'est-à-dire ce qui est dit est donné à entendre comme c'est dit. Il y a l'implicite. Ce qui est dit sans qu'on ait dit ce qu'il faut entendre lorsqu'on le dit. Et il y a le non-dit, c'est-à-dire le silence, qui lui-même est parlant, comme disent les locodermes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la chanson de Roland. Vers l'an 1050. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir, ayant compris que le blanc ne dit jamais ce qu'il pense, et ce qu'il pense n'est jamais conforme à ce qu'il dit, et ce qu'il pose comme acte contredit ce qu'il dit. Donc on ne peut avoir de relation avec lui que dans le cadre de la duplicité. Parce que si toi tu dis, tu es en danger. Donc,
Mon discours explicite est sain. Tout noir qui est en France est chez lui, en vertu de l'antériorité de l'homme de Grimaldi, le premier habitant de la France. Ce fait ne peut pas être détruit, les préhistoriens le savent. Yves Coppens, tous les autres, je n'ai pas besoin de dire. Et le deuxième fait que je dis, ce sont les Noirs qui ont sauvé la France du désastre nazi. Ils s'inventent des histoires afin de mieux camoufler l'histoire. Ces gens nous disent que c'est sont les Américains qui ont débarqué sur les plages normandes, hein, à Omaha Beach. J'ai dit heureusement que c'est Beach. Tu vois, c'est sérieux, c'est pas sérieux. C'est au Cameroun que l'armée française s'organisait quand il n'y avait plus rien. Le désastre était à son comble. C'est au Cameroun. Brazzaville, capitale de la France libre. C'est pas bizarre ça. C'est Paris qui devrait être la capitale de la France libre. Alors on nous raconte quoi? Ou bien ils croient que... Moi je pense que ces gens-là doivent supposer que je suis un Covid sans mémoire. Hein. Donc, à un moment donné, Fatouba Takebe a décidé d'avoir la tête dans les étoiles. De rêver dans les étoiles. Ce qui fait d'elle-même une étoile. Une étoile de la science. Deuxièmement, elle s'est donné les moyens. Ça dit que elle a travaillé toutes les vacances pour avoir l'argent afin de connaître l'objet de sa science dont je parlerai tout à l'heure. Fatouba Takebe n'est pas n'importe qui au niveau de la France. C'est parce que nous, on minimise nos savants. Ouais. C'est-à-dire que elle est spécialiste d'astronomie. Donc, elle est docteur en astronomie de l'université de la Sorbonne. Et elle est aussi spécialiste de la mécanique des fluides. Elle est une des seules Françaises. Je merci ce qu'elle est française parce qu'elle est descendante de l'homme de Grimaldi. Voilà. Elle est une des seules Françaises qui est partie à Tokyo, au Japon. Et pendant un an, elle a dirigé les Japonais dans le département d'ingénierie spatiale de l'université de Tokyo. J'ajoute qu'elle est spécialiste de tous les corps qui se déplacent dans l'espace. Et que certains appellent des extraterrestres ou des ovnis. Certains esprits chagrins, dont certains nègres, que les dogons viennent du ciel, tu parles. Donc, observer le ciel ne veut pas dire que tu viens du ciel. Faut pas aussi charrier. Les observatoires des Dogons se trouvent bel et bien sur Terre, comme les pyramides d'Égypte. Les extraterrestres auraient dû créer des pyramides sur Mars pour qu'on voit comment ils procédaient. Ce sont les Noirs qui sont tendance, ils ont tendance maintenant à se déconnecter de la Terre, hein, pour planer. Donc, Fatouba Takebe a décidé aussi, puisque à Montreuil, à Noisy-le-Grand, on dit qu'on veut développer la science dans le peuple. Donc on prend beaucoup de budget. Le CNRS prend des dons de mécènes. Mais apparemment, il y a certains quartiers qui ne bénéficient pas de la science, la promotion de la science. Dans son quartier, elle. Donc, elle a décidé de sortir les frères et les sœurs du ghetto scientifique dans lequel on les a confinés. Parce que déjà, le fait pour un noir de vouloir faire la science,
Mais c'est une prétention. On dit, mais hé, mais t'as pas vu le plafond de vin? J'ai dit, mais ce n'est que du plafond, et c'est du vin. On peut défoncer ça. On peut défoncer ça. Il suffit d'avoir un bon instrument. Défonce ça. Donc, le problème qui a été posé, c'est qu'elle a créé maintenant une structure qui les gêne beaucoup. Ça s'appelle éphéméride, au pluriel, éphéméride. Et cette structure a pour but de faire de tous ces jeunes-là, qui sont en perdition, tous ces jeunes qu'on a condamnés à une mort sociale, certaine, d'accord, d'en faire des amoureux de la science. À un moment donné, elle a dit éphémérie, pourquoi? Parce qu'elle a préparé un doctorat à l'Institut de mécanique céleste afin de calculer les éphémérides. Donc elle a donné le nom des éphémérides à l'association. Elle a ensuite fait un travail qui est aujourd'hui le travail de thèse le plus couru par les chercheurs étrangers, qui est intitulé Étude de l'influence des incréments de vitesse impulsionnelle sur les trajectoires des débris spatiaux à l'université Pierre et Marie Curie. Donc, elle s'intéresse aux débris dans l'espace, les débris. Parce qu'une théorie sombre disait que les dinosaures, leur espèce, aurait été anéantie par des débris venus de l'espace. Des météorites ou que sais-je. Mais Fatoumata Kébé a compris aussi que le climat est en train de changer. Et le climat change, ce qui fait que certaines espèces n'ont plus d'espérance de vie. Mais l'espèce la plus menacée par le changement climatique, c'est l'homme. C'est l'homme. Mais comment le climat change? Pourquoi on ne vient pas à la télé nous expliquer? On dit que voilà, on est là, il ne pleut jamais à certains endroits, alors qu'il pleuvait tout le temps avant. Il ne pleut plus du tout. Donc aujourd'hui, le lac Tchad, dans 2 mois, sera fini. Il n'y a plus de lac. La désertification du Sahara n'a pas toujours été la réalité. Du Sahel. Toute une partie du Burkina Faso est en train d'être désert. Et c'est un vieux Burkinabé qui, avec les techniques ancestrales, est en train de faire reculer le désert. Aujourd'hui, je parlerai de son cas. Donc, en associant l'expertise de la science la plus avancée, la science du futur, avec les connaissances ancestrales. L'Afrique peut changer l'Afrique. L'Afrique peut changer l'Afrique. Je n'ai pas dit changer d'Afrique. J'ai dit changer l'Afrique. Et Fatoumata Kébé arrive à une émission de télévision. Et on lui dit, vous êtes un exemple de réussite et d'intégration. Car votre propre succès montre ce que la France peut faire au niveau de la... Et elle leur a dit, moi je suis originaire d'Afrique. Mes parents sont venus ici parce qu'ils fuyaient la pauvreté que l'Europe a créée là-bas. Donc, je ne me sens pas redevable à quelque esprit généreux que ce soit ici en Europe. Tout ce que je fais, je l'ai fait à la sueur de mon front, sans aucun soutien. Ah, les gens ont dit, bon, la petite n'avait pas le mal. Hein. Alors, il y a eu un soupçon d'ingratitude. Oh, elle est ingrate, la petite, là. Elle arrive à ce niveau, elle l'amène à la télé, elle habille, met des habits africains. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Il faut de la tenue, quand même. Un peu de tenue, hein.
C'est pas pour rien qu'on a fait le travail pour les civiliser. Mais ils sont réfractaires à la civilisation, tant pis pour eux. Elle a lancé le projet Connected Echo. Ça veut dire, elle a coopéré avec les femmes du Mali. Écoutez-moi bien. Fatoumata Takebe. Pour protéger l'environnement et pour stimuler l'agriculture intensive qui ne va pas abîmer les sols au Mali. Donc ça veut dire quoi? C'est une kémite en fait. C'est une kémite. J'appelle kémite tous les descendants des guides et des civilisateurs de l'humanité qui reconnaît qu'il est porteur de projets panafricains et qui, quel que soit l'endroit où il se trouve, n'oublie pas le devenir et le destin de l'Afrique. Donc Fatoumata Takebe a décidé de faire des vocations des femmes au Mali, en Afrique, un peu partout, pour devenir des savantes. Donc l'association s'appelle Femmes et Sciences et ils ont une succursale qui s'appelle Women in Aerospace. C'est-à-dire les femmes qui veulent faire aérospatial. Et même ses parents étaient étonnés. Mais comment cette petite-là a pu caresser un tel rêve? Se donner les moyens d'accomplir ce rêve et d'étendre la main à ses frères et à ses soeurs de banlieue et d'Afrique pour qu'ils sortent de ce que j'appelle le déterminisme de l'échec social. Le déterminisme de l'échec social. Le darwinisme social. C'est ça qu'on nous applique dans les banlieues. On nous applique le nazisme social dans les banlieues. Donc, une partie de la presse a essayé de cacher. C'est-à-dire de cacher avec ses cinq doigts le soleil. Alors que ce qui fait qu'on voit ton doigt, tes doigts, c'est la lumière même du soleil. Ils ont tenté de cacher. Mais ils ont caché la petite là. Jusqu'à ce que les États-Unis et l'Angleterre la reconnaissent. À ce moment-là, de peur qu'elle n'aille là-bas, pour être mieux payé, mieux considéré, ils ont commencé à dire que c'est une fierté de la France. Voilà ce qu'ils ont. Donc, l'Express lui a consacré le 16 octobre 2015 un article intitulé « Fatoumata Takebe de la cité aux étoiles ». Ensuite, il y a eu un journal qui s'appelle Cosette, intitulé « La copine de Cosette, deux points, Fatoumata Takebe, virgule, Cosmic Girl ». Fatoumata Takebe, gardienne de l'espace et passeuse du savoir. Fatoumata Takebe est devenue vedette. Pour le bonheur de Covid. Parce que, à partir de ce soir, tout le monde va parler de Fatoumata Takebe partout. À partir de ce soir, je crois même que c'est grâce à Fatoumata Takebe que nous avons nous-mêmes l'espoir de redonner aux femmes noires leur place au sommet de la science. Leur place au sommet de la science. Donc, je me résume. Comme souvent, c'est un peu long. Je me résume. Mais ce n'est jamais ennuyé. Je me résume. Fatoumata Takebe est une sorte de success story dans le laboratoire de la lutte contre les discriminations dans les banlieues. Deuxièmement, c'est une scientifique qui
fait partie de la lignée de ce qu'on appelle les pionniers de la science. Ici en France, il y a très peu de femmes qui ont étudié la Lune. Même aérospatiale. Ce sont des domaines encore qui sont réservés aux hommes. Et surtout aux hommes riches. Nous reviendrons là-dessus. Et troisième chose, elle fait partie de ceux qui combattent l'échec social par la création de modèles de réussite. Ce qu'on appelle des parcours d'excellence. Parcours d'excellence. Donc, à partir de toutes ces considérations, elle devient de facto un modèle pour la renaissance kémite. C'est une scientifique modèle, mais impliquée aussi dans le combat social contre les inégalités. Mais, j'ajouterai aussi, dans le rétablissement du matriarcat. Parce qu'elle est très liée aux femmes du Mali. Elle a même dit aux femmes du Mali, ce que vous faites pour combattre les pesanteurs de la pauvreté, c'est ça qu'on appelle l'ingénierie. Vous êtes ingénieuse. Il suffit que quelqu'un vienne mettre vos projets. Comment vous faites pour puiser l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau? Sous forme d'entreprise. Hein? Et vous devenez maintenant des leaders dans votre domaine. Donc, Fatoumata Kébé